Hop. Y a pas de son, c'est normal. Y a pas de son. The idea that shorelines belong to the public comes from Roman Emperor Justinian, but only because he wasn't able to consult with the Association of Resort Developers' eternally wise lobbyists. Ah non, c'est normal. C'est parce que le volume était bas. Bien. Normalement, on le termine. Là, normalement, j'ai fait tous les collectibles. Donc là, il reste plus qu'à faire les quêtes et puis basta, terminé. J'ai fait toutes les infamies. J'ai fait tous les rangs. Là, on a plus à se faire chier avec, avec les tracks. Tout ça, on a plus à s'emmerder. J'ai battu tous les boss. Donc là, on est tranquille maintenant. Pauvre là, il va se faire massacrer. On fera le DLC aussi un jour. Je l'ai pas de toute façon le DLC. Je compte pas l'acheter. Regardez, je crois qu'il était à 13 € finalement. Avec le, je pense, la réduction de Game Pass. 13 € pour un DLC qui doit même pas durer une heure. Attends, on se le garde. Tant pis, je peux pas mettre mon requin 40, je m'en fous. Je m'en fous. Même si j'ai apprécié le jeu, je trouve que c'est exagéré quand même. Je trouve que le DLC, à mon avis, vaut pas très bien. Turtle numbers have exploded here. Bad news for seagrass, great news for orcas who enjoy torturing and eating them. T'es sûr de vouloir jouer? T'es sûr? Je sais pas si j'ai. Ouais, non, c'est bon, j'ai enlevé l'organe. Le truc sonar. Normalement, tout est amélioré. Normalement, là, j'ai plus rien de. Ah, il faut que j'aille dans une boîte serrée pour. Le truc qui me manque, ce serait la tête en osseux. Parce que j'ai toutes les... tous les morceaux de corps en osseux. Sauf la tête. La tête, je l'ai pas. C'est peut-être en avançant dans la quête principale, je sais pas. On verra bien. Voir la carte là. Non, le mieux c'est que je retourne dans l'eau. J'espère que si on peut le finir en moins d'1 heure, ce serait bien. Comme ça, j'avoue qu'après, j'aimerais bien enchaîner sur Révélation 2, finir l'épisode. Comme ça, c'est fait. Il
Là c'est quoi? C'est un orc. Orc chassé. It's generally believed that a shark never sleeps. And herring at Fish Fingers, Casanita just wants her favorite comfort food, raw shark liver. Donc ça c'est fait. Là ça devrait aller vite. Ça devrait aller vite. Là, on va faire un massacre. Coucou. For our crew to earn the shark hunter's trust, to convince them we were not insurance investigators questioning their disability claims. I catch three that voilà. Get away as they got their fish fingers. You could say I got a real keen eye for talent. Although, the wheelers really gotta work on those side areas. Ouais. Tac, on continue. On va pas les embêter. Hein. Ça sert à rien. Là, ça ne sert plus à rien. De toute façon, on a le rang d'infamie au max. De toute façon, on va pas s'emmerder. Il n'y a aucune récompense. Par contre, comment j'y vais là? D'accord, faut que je fasse le tour. Ça, c'est quoi ça? Ah, mais il y a encore plein de quêtes à faire. Oh, d'accord. Ah, bah vas-y là. Attends, on va enchaîner. On va enchaîner. C'est là? C'est là-bas. Faut tuer ceux qui sont marqués. Coucou. Putain, comment il te trace le machin? Oh la vache. Really been sprouting up these past few years. Put some of my own money in this. It's gonna be a laser tag fun park. Un grand requin blanc chassé. Ça va aller vite.
ça va aller vite vite. Tiens, faut que je goûte ce cappuccino caramel là. Another shark hunt draws to a close. Est-ce qu'il est bon? Pas extraordinaire. Il manque un truc. Peut-être une petite couche de miel, peut-être. Pour du caramel, je trouve que c'est pas très sucré. Extinction de masse de la tortue. Enfin, de tout ce qui vit dans l'eau. Clovis's communal guard against shark attacks came after experimentation with animal sacrifices to appease the shark god Lakiwaka. I said to Dan, you better build that boardwalk high. Because you just asking for a shark attack how you got it now. But do they listen to me? No, not at all. Ah, mais ça m'intéresse pas les combats là. Combattre les navires, mais ça m'intéresse pas. Je vais attendre qu'ils partent. The hunt is over, and there will be an inevitable rush on dollar drafts at Flamingo Joe's. Probably right under me. Bracelet alarms fills the air as shark hunters leave their homes to track our bull shark. Ah, y a un truc là. C'est quoi? Oh. Allez hop, ça c'est fait. Ça dégage. Allez, hop. Putain, il te fait de ses bombes maintenant. Il a l'air plus léger avec cette amélioration. Sauf le truc osso où il était bien plus beau. Allez hop, on réduit la population. Travel to the coast from as far away as the North Pole, only to end up mounted above the jukebox at a biker bar.
Donc on réduit la population là. Allez hop, on régule. Ça je sais faire ça. Allez. Bull sharks have been known to eat echinoderms when desperate, to which I can very much relate. Voilà. Ah, y a encore des gens. J'arrive. Allez, on réduit ça aussi. Hein. Faut réguler un peu l'espèce. It's a shame that human and shark must so often meet as enemies. C'est quoi ça? Ah, c'est une planche de surf. Bonjour. C'est comme ça que je les aime. But they don't give you no scholarships for winning no big air raider game. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Derrière moi, il y a une cible à tuer, mais ça c'est quoi? C'est des gens à tuer aussi? Allez, hop, on va le faire tout de suite. Coucou! Allez, on fait tous un pain de minuit. Allez, hop, allez. Et venez, elle doit être bonne. Elle est bonne. Elle est pas trop froide. Though bull sharks often come in close proximity to humans, statistics suggest that people have little fear from the planet. Dans l'eau. Statistics. T'es pas marqué. Toi, oui. Ah, j'en ai repéré un. Mais attends. Voilà. Maybe I don't know how to properly stalk and manage a fish pond, but it's a learning process. Miam, miam. Et coucou, héros. Bah, ça va, ça va. Et toi? On est en train de chasser dessus là. Je trouve que c'est le meilleur gibier à chasser, ça. Être humain. Un très très bon gibier. The powers of society have retaliated with deterrent action. But mankind is ultimately impotent. Allez, ça c'est fait. Voilà. Tac. Là on enchaîne bien là. Les quêtes, là, parce que là j'ai fait tous les collectibles, donc là il y a juste à faire les quêtes et puis basta, terminé. Si on peut le terminer avant 8h, j'avoue que ce serait bien. Comme ça on continue l'épisode 3 de Révélation 2, là, enfin Resident Evil. J'ai pas eu le temps de le finir hier. J'ai pas eu le temps. Comme ça on sera prêt pour la semaine prochaine. Lacking sufficient sand or protective dunes, heavily developed areas risk great danger from hurricanes and tropical storms. Tuer le prédateur, c'est moi le prédateur. J'arrive. Je sais pas ce qu'on va affronter. C'est par là. For more than three-fourths of geologic time, the land was uninhabited. C'est quoi? Without a white and black attack. Ah. Putain, mais il a une drôle de gueule, l'orque. Oh, ça
serait pas un accouplement entre un orc et un cachalot, ça? Costaud, lui. Mahi-mahi have a particular affinity for swimming beneath floating objects such as seaweed, driftwood, and backpacks filled with goat. Là au moins je sacre tout le temps à la surface. Là je suis plus à l'aise au fond. D'équipement de l'ombre là, enfin, je sais plus comment ça s'appelle exactement là, ce skin, c'est putain, ça envoie des dégâts périodiques là sur l'ennemi, et moi en même temps ça me régénère. Orcas, once the featured attraction at marine mammal parks, now have a new favorite trick, killing things. Ah mais ça, c'est devenu un monstre dans le requin. Là où j'en ai vraiment chié, c'était avec l'infamie, avec les bateaux de chasseurs. Eux, ils étaient vraiment costauds. Là, putain, c'est une promenade de santé, là. C'est de la rando qu'on fait, là. Merde. Et coucou, la jet. Ouais, je vois un peu ce que ça donne, la tête osseuse. En tout cas, la tête bioélectrique, ça ressemble à rien. De toute façon, je trouve que le skin bioélectrique, il ressemble à rien. Sure, we could avoid catastrophic risks for future generations, but then we... Once more, the shark turns back to this place of centered calm. Putain, la gueule qu'il a quand je lui mets l'équipement bioélectrique, enfin... La mutation bioélectrique, ça ressemble à rien. C'est moche, comme pas permis. C'est moche. Je le trouve dégueulasse. Ah, comme ça, il est vraiment dégueulasse. Tu vois, par contre, avec la tête osseuse... Ah oui, la tête osseuse, du coup, elle est pas améliorée. Ah bah attends, on va améliorer. Même si je doute qu'on s'en serve. Parce qu'on a fait tous les trucs de bateau. Vas-y, fais voir. Ouf, putain, chelou la tête. Hein. Fais voir un peu. La tête, je suis pas fan. Avec les yeux comme ça, là, je suis pas tellement fan. Mais sinon, ouais, je la trouve beaucoup plus classe quand même que l'autre bioélectrique. Mais je préfère quand même celle de l'ombre. Celle de l'ombre, elle est quand même plus classe. Ouais, j'ai une préférence pour celle-là quand même. Détruire la cible, tuer 10 requins marteaux, dévorer 5 humains. Seulement 5? Mais c'est pas assez, 5. Moi je les bouffe par paquet de 40, moi. C'est trop peu, 5. C'est quoi cette embrouille là? Ah, c'est des plongeurs.
Ah, en plus c'est des chasseurs. Elles ont de plus pour se bouger. True hunters hold a deep hatred of wildlife in their hearts. None more so than the shark. We've made some real bad fish gears because of these oil tankers. Ça croustille dans la bouche. But it brings a lot of money into the economy. Can't argue with that. J'ai senti comme des craquements sous la dent quand même. Ça cracote. Ah ouais, là d'accord. Là je comprends. Ah, 5 humains par ci, 5 humains par là. Ah ok. Là ok. Là je comprends mieux. Caviar Key provides a scenic setting for humanity's destructive impact on the natural world. Coucou. The ocean, fluid, fascinating, always I said Captain Blatty sunk his treasure somewhere around here. Funding a diving expedition every year for 10 years and I ain't found it yet. J'aime pas ces petites grottes là parce que des fois je cherche la sortie, des fois je reste perdu pendant quelques minutes. C'est le trou, il est tellement petit que c'est la sortie, tu vois rien quoi. As the terrain of the Gulf Coast is relatively flat, even a small rise in sea level could trigger an immense loss of land. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je ferai pas le DLC, hein, de toute façon je l'ai pas. Je ne compte pas l'acheter. 13 euros le DLC. Ça aurait été 3-4 euros, je veux bien. 13 euros. As we face impending resource scarcity and declining living standards, it's nice to know that in the meantime there's still a place to get a good bamboo fusion massage. Coucou. C'est un bon choix. Ah voilà, niveau sushi, ouais, on va être bien. Sushi de plongeur. De la viande de plongeur crue. Pourquoi ça m'a l'air de faire cuire? On peut manger cru, ça va plus vite et puis c'est meilleur. Alors ça fait quoi Y là? C'est pas... Ah, on dirait que ça ralentit le temps. L'université envoie ses étudiants ici chaque summer pour étudier les reefs. Shit. Guess we all got different ideas about summer fun, yeah? Parce que je sais pas en fait, avec ce set de l'ombre, je sais pas ce que c'est l'attaque. Je sais pas où c'est qu'on peut le voir ça. Ah ouais, c'est sa forme de l'ombre, ralentit le monde autour de vous tout en libérant une aura de poison chaque fois que vous bondissez en avant. D'accord. C'est ce skin, c'est une tuerie. Pour moi, c'est la meilleure. Électrique, ça envoie une décharge électrique. Ensuite, tu vas attaquer.
ça assomme le truc. Et le skin osseux, c'est bien pour les navires. T'es plus résistant déjà parce que t'as un blindage assez épais quand même en os. Et puis en plus, tu fais plus de dégâts sur les bateaux. Bah, t'as une arme de siège quoi. Et je préfère celle-là. Quand même. Humans' attention spans are short. I've already forgotten about the shock of many lives. Ends the battle. Oh, là, ils sont mal barrés là. Ah, mais le cachot, il est pas mal. Ah, mais je the hammer hits with small shaped, makes it easily identified. Insatiable sperm whale needs to eat over a ton of food every day, which here in the Gulf mostly consists of hammerhead sharks. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Putain, il reste encore pas mal de choses. Ah, il y a encore des humains à tuer là. Allez, go. J'ai pas envie de me retaper un combat contre un cachalot. Ça me rapportera rien de ce que je... De ce que j'ai besoin, donc c'est pas la peine. De toute façon, j'ai plus besoin de quoi que ce soit. J'ai I've had campylobacteriosis, cryptosporidiosis, leptospirosis. Let me tell you, partner, that ain't no joke. Ça c'est fait. Allez, on passe aux quêtes maintenant. Détruire la cible. Qu'est-ce que ça va être, un cachalot? Ou un navire peut-être. Un navire. Ah ouais, c'est un navire. Coucou. Il est où le cannon? Ah, ça me fait. Hulk Hogan. Alors, c'est pas le même bateau. Ça me rappelle cette série des années 80-90 là. Quand il menait l'enquête, là, je pense que c'était à Miami ou je sais pas. Il était sur son espèce de yacht là, bizarre. Là. Ouais, 24 karat gold fixtures, two discos, circular staircases, and a mosaic swimming pool. The Chatelaine is still only Port Clovis's second. À l'époque, on était à fond entre les véhicules, entre les yachts, les hélicoptères, les voitures. Putain, on était à fond sur les véhicules. Un peu moins maintenant. Peut-être parce que l'essence coûte trop cher. Je sais pas. Il y a encore des trucs à faire. Aïe. Il y a pas mal de quêtes hein, en fin de compte. Il y avait rien de spécifié quand j'avais à peine commencé la région. Mais là, ça y est, maintenant, on avance dans les quêtes, ça y va. Qu'est-ce que ça va être? Un orque? Ou c'est un grand requin blanc, c'est non? Ouais, c'est un requin blanc. Il a l'air minuscule, pareil au milieu. C'est un poisson rouge. Où tu vas? Enfin. Ouais, ça va être juste. Si on finit en moins d'une heure, je passe à Révélation 2, on termine l'épisode 3. Si je mets plus d'une heure, j'insiste pas. Oh putain, niveau 55. Toi, tu vas être costaud.
merde. Allez hop. Revitalized the bumper sticker industry. C'est un sac à PV ce machin. The sperm whale is the largest toothed whale, but only the third largest. Allez, on chope les croquettes. So let's wait around and see if our cameras get a glimpse of a blue. Bien. Lui, c'est fait. Ah, il y a un orque à aller tuer. On va essayer de pas traîner. Cette vitesse qu'on met aux traces. Oh la vache. Ah c'est impressionnant. Bien à toi. Il y a un cachalot en plus qui s'y fout. C'est ça. Ah c'est pas de bol. Mais les cachalots ils sont lents, c'est ça. Oh, putain, il y a aucun marteau aussi. Putain mais tout. Il y a tout l'océan qui m'en veut là. Ah, j'ai bien que je suis en train de tous les terminer mais quand même. Sharks can detect odor corridors, miles-long sediments spread by ocean currents. Tu vas y passer aussi parce que tu m'agresses. Faut que je tue plein de requins marteau. Allez, on va faire le ménage. Hop. Bon, j'aurais quand même vu ma première mort. Contre le dernier chef de. Des bateaux de chasseur. Le dernier. Faut dire que ça c'est allé tellement vite que. Putain, j'ai pas envie de tuer.
facile de tout ça. Honnêtement, il est plus facile. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il y a deux quêtes qui me restent à faire. Putain, ça saute. Hein. J'imagine même pas sur PS4, PS5. J'imagine même pas. Je l'avais essayé à la base sur PS4, mais... En même pas une heure, ça avait déjà planté, donc je vais, je vais pas le faire sur, sur la console chez Sony. Ça... Non, 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 non. Bah, j'ai l'impression que maintenant Sony, ils ont plus rien à foutre que leur jeu, que, le, que les jeux plantent sur leur console, ils ont plus rien à foutre. Ça c'est fait. Merci, va attendre. Voilà. Oh, c'était beau ça! Magnifique! Ah, oh, c'était magnifique ça! Ah, franchement. La façon dont il est sorti de l'eau avec, le, avec sa proie en faisant un tourniquet. Ah, franchement, c'était beau. C'était classe en même temps et beau. Encore des requins marteau à tuer. C'est vrai qu'il y en a un peu trop là. C'est un peu abusé limite même. On va y remédier. Un cachalot celui-là. On va faire un voyage rapide parce que j'ai la flemme. Je pense que là c'est bon, on va en voir le bout, je pense. Là. The grotto provides a brief respite from the storm und drang of the gulf. On va en voir le bout là. Le bout de le bout. The cetacean assassin, the sperm whale. Moby. Combien? Niveau 60. Ah, tout à l'heure, je crois que c'était 65. Ça part de l'autre.
vais te bouffer. Si j'arrive à battre Nishige, hein, je peux battre n'importe quel boss. Hein. Attention, faut pas déconner. Faut pas déconner. Attention. Ah putain, il m'a attrapé. Je m'en doutais un peu. Il est costaud. Hein. J'avoue qu'il est costaud. Ouais, par contre, je le fasse attraper. Ça marche pas très bien, ça. De ciblage, elle est vraiment pas terrible. Ça, c'est vraiment ce que je regrette, ce que je reproche. Bien joué. Il avait compris. Il a compris ce qu'il attendait. Un petit coup de dent. Practically ran on sperm whales. Now we can only watch them from afar, dreaming of tapping their skulls for all that sweet spermaceti. Le cachalot suprême. Rien que ça. A détruit tous les prédateurs suprêmes. Ah, mais non, c'est moi le nouveau prédateur suprême. J'avoue quand même qu'elle a failli me buter. Hein. Jetez un œil au nouveau navire de Pete. Attends, parce que j'ai une nouvelle amélioration, je me demande ce que c'est. C'est quoi? Il faut que j'aille dans une grotte si je veux l'appliquer. Cette évolution... Ah, attends, j'ai un autre truc encore. Cartilage renforcé. Augmente la résistance aux dégâts. Cette évolution rend les animaux sauvages hostiles qui ne font qu'une fraction de votre taille neutre envers vous. Les poissons hostiles au moins 50% plus petits que vous sont neutres envers vous. Oh, c'est de la merde. Bah attends, je vais aller dans la grotte. Oh, remarque, on est juste à côté, mais... Je m'en fous. The bull retreats to the grotto for refuge and quiet reflection. Fais voir un peu. Je pense que je les mettrai pas. Par contre, sa résistance aux dégâts, par contre, ça peut être intéressant. Mais si c'est pour que ça me rende plus lent... Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. 15% de résistance en plus. Ouais, 15% c'est pas énorme. C'est pas énorme. Ça aurait été genre 25%, là, ça aurait plus valu le coup, mais 15%. Ça fait même pas un sixième, c'est... Non, c'est de la merde. Ça c'est pareil, c'est de la merde. Ça c'est bien pour faire les... Pour aller chercher, pourquoi pas, les collectibles. C'est que t'as pas envie de... T'as pas envie d'être emmerdé à faire la map. Ah bah tu prends ça. Les trucs qui t'emmerderont pas. Mais bon.
Non, mais je crois que je vais garder mes améliorations. Mes améliorations sont mieux quand même. Putain, ce saut. Si t'as... À la limite, là... Putain. T'as fait un bon, le truc. Ah, il me tarde qu'on l'affronte. Pete has a new boat, and from the looks of it, there are several features probably not legal for civilian use. Des torpilles, rien que ça. So you found me. So what? Pete, I don't know what all this is, but you're scaring us. What you gotta be scared about? You a shark? Pete, I don't want to, but I think we need to get the police, maybe the Coast Guard involved? You think I'm crazy? No, I'm the most sane man you ever seen. Look, I didn't get it easy. But when some shark take everything I got, I'll give her the same chance she gave my boy. None! Now get the f*** off my boat before I kill you too. The f*** I say! Hope you got a hunger on! We serving shark étouffée tonight! Et en plus, c'est le hashtag. Hashtag shark étouffée. Pete has built an impressive battleship. But will it be enough to endure the prehistoric might of a mega shark? Allez, j'imagine que c'est le combat final. Ça, c'est la limite de la main. Coucou. Niveau combien? Hello there, girly. As you can see, I came prepared today. Comment ça? 60. I'm gonna fix you up real pretty. Got a shark. Getting y'all out swimming torpedo. Putain. Ah ouais. D'accord. That one's for Kyle. Asphyxie. Non, plutôt électrocuté, plutôt. Bon, bah deuxième mort. Ah, costaud là le. Ah, faut pas que je la. Faut pas que je l'affronte au corps à corps. Champ électrique là. Ah, il vaut mieux pas. Je pensais honnêtement faire comme d'habitude avec les bombes là, c'est-à-dire attraper la torpille et la lui renvoyer, mais ça marche pas non plus. Parce que direct que j'ai voulu l'attraper, ça m'a pété à la gueule. À moins que je fasse directement un coup de. Un coup de queue. Directement dessus. Je pense. On va voir ça. C'est bizarre. Il est bizarre ce boss. Je peux pas l'approcher. Pourtant, il faut bien que j'attaque. Hello there, girly. As you can see, I came prepared today. I'm gonna fix you up real pretty. This boat come with everything. Ah ben voilà. Ouais, c'est bien ça, fallait attraper, faut attraper la torpille. C'est juste que c'est mal foutu. Ouais.
track a record for sure. Get at him, divers. Oh, je l'attrape. Il a pas compris qu'il faut cibler le bateau. L'autre il cible les poissons. Un sac pour péter. Ah, j'ai pas eu le temps d'attraper. J'ai pas eu le temps. Ah mais je peux foutre une esquive pour les... D'accord. Ah putain, des renforts. Donc faut que je récupère de l'aide, putain. Faut que je récupère de l'aide. Le troisième. I will show y'all up.
Et putain, mais je voulais l'attraper là. Oh, c'est mal foutu. Ah, le gameplay là. J'avoue qu'il y a quand même pas mal de défauts. Pas mal de défauts. Ça touche à côté encore, mais c'est abusé, putain. Oh, c'est abusé. Oh, c'est vraiment abusé. Putain, boss de merde. Laissez le bon temps rouler. Oh putain, il dit ça en français en plus. I suppose there's a lesson to be gleaned here. Something about how the increasing commodification of the natural world has placed humans on a collision course with an environmental apocalypse. Okay. But this is a basic cable show where people tune in to watch sharks kill people and people kill sharks. Ça y est. So on a until terminé. Next fishing season, this is Maneater. Bon, mais voilà, ça c'est fini. Je savais qu'il me restait pas beaucoup de temps, mais je m'attendais pas à finir aussi rapidement. Bon, j'ai mis une heure. Bah du coup. Je vais allumer la PS4. Je vais allumer la PS4. Comme ça, on enchaîne avec Révélation 2. Et puis voilà. Est-ce que je peux passer ? Bon, je peux passer. Bah, ça se trouve, j'aurais peut-être dû laisser, ça se trouve, on nous aurait vu. Je sais pas, il y aurait peut-être eu une scène post-crédit, je sais pas. Vous avez terminé le scénario principal, vous pouvez continuer à vous nourrir, à grandir et à évoluer. D'accord. 11h quand même. 11h en tout. Ah, il est pas long, hein. Ah, il est vraiment pas long. Hein.
franchement, il est vraiment cool. The Shark has somehow survived the multi-gigajoule explosion unscathed. But just like that, she's on to other things. In case you're wondering about me, the network Namby Pambies canceled our program due to depictions of actual death. So I'm now broadcasting online, free from the meddling of censorious busybodies. C'est quoi ça? L'odeur d'une nouvelle créature inconnue subsiste dans l'eau, quelque chose qui pourrait menacer votre statut de prédateur. Mais ouais, mais ça je peux pas l'avoir, je l'ai pas le Truth Quest. Ça c'est DLC, je l'ai pas. Ça se trouve, je vais arriver là-bas, ils vont me dire ouais, ouais, mais t'as pas le DLC, il faut l'acheter d'abord. On va voir. Je suis curieux, mais. À mon avis, ouais, faudra acheter le DLC d'abord. Hi, my name is Trip Weston. Recently, I produced the television nature series Manny. Over the course of filming, our cameras witnessed unprecedented displays of evolution, strange mutations never before observed by the human eye. When I spoke to a prominent marine biologist, she claimed it was due to Port Clovis's extreme levels of radioactivity and industrial effluent. But I couldn't shake the feeling that she was merely trying to play me. What did she mean? And why wasn't she telling me? Then, as if the stars had all aligned, the former Q-level security specialist sat down next to me. What he told me would haunt me for the better part of a year. And lead me back to Port Clovis on a dangerous journey through dark secrets, government cover-ups, and a clandestine cabal of extraterrestrial elites single-mindedly determined to enforce their will on humankind. Come with me on a quest for the truth. Truth Quest. Ouais, mais à mon avis, j'y ai pas accès. Judging by the bull's behavior, she smells a new creature. If it threatens her apex status, a heated confrontation is inevitable. Normalement, j'y ai pas accès. Nager à travers les zones. Ouais, d'accord, mais... The predator must act quickly, lest she lose the scent of her prey. The shark works the odor trail with a singular focus. Perhaps she's caught scent of Jormungandr, the world-encircling sea serpent of Norse legend. What admirable hustle! The creature has disappeared. Probably whisked away by a government boat, lest we capture the beast on video. Ouais, mais attends, mais... Ah bah non, dire que j'ai accès au Truth Quest, c'est quoi ces conneries? Ça m'étonne parce que... Je trouve ça bizarre. On va continuer, hein. Allez. Okay. Putain, j'ai allumé la PS4, quoi. Je m'attendais à en avoir fini. Clearly, the shark has been implanted with an RFID chip to monitor for everything. A shark attack too often provokes Port Clovis locals into killing every swimming creature along the coast. These beaches were built by the initiates of the Dionysian Sun, known for their pagan requesters. Whatever it is the shark caught scent of, the secretive Black Ops unit, conspicuously called NWO, has captured it. What might be their nefarious plans? J'ai même pas le temps de dire parce que je suis... Échec de communication, détruisez la tour, mordez, tenez un explosif ou un ennemi... The markings on this satellite suggest that it belongs to Site P, a
top secret military contact, and perhaps the base of these NWO troops. Oh my God! He's trying to intimidate us. Got eyes on it. Be ready for action. Non, c'est là-bas qu'il fallait. The fish ciblage, has fallen. Who will rise in her place? Ah, c'est de la merde. Ça, j'avoue que ça, c'est vraiment de la merde. Le système de ciblage est très, très mal foutu. Port Clovis is a powerful energy vortex, sacred to the insectoids for its high concentrations of caffeine, taurine, and high fructose corn syrup. Après, qu'est-ce qu'il me reste à faire après? Terminer, explorer la zone. Ouais, il faudrait que je fasse ça. Putain. Ça... Il me faudrait que je prenne les explosifs, mais il veut pas les prendre. Et puis quand j'arrive à les prendre, ça cible même pas la tour de communication. C'est de la merde. Le système de ciblage, j'ai à chier. Ça, vraiment ça vise même pas le bon côté. Ça vise pas le bon truc. C'est mal fait. En plus, je prends pas cher. Non, c'est la tour qu'il faut viser, putain. Elle est con. Elle est con, ce requin. Putain. C'est ça qu'il faut viser, et l'autre, il vise les... Allez, balance ta grenade, là. Sont cons. Okay. Allez, balancez-moi un truc. Balancez-moi des grenades, je sais pas moi, faites quelque chose. T'es gogol ou quoi? Ça se passe comment? Il a toujours pas compris. Ah, il comprend pas. C'est pas la peine. Il comprend rien. Ça, ce sont pas dit que ça allait être de la merde, ça. Vu comment c'est galère pour attraper les trucs et les lancer. Ils ont pas dit que ça allait être galère. Ça réfléchit pas des masses, de toute façon j'ai dit que c'est... Ça réfléchit pas beaucoup. Allez, balance une grenade, je sais pas. Putain, je me retrouve coincé à cause de cette quête de merde. Je vais
Oh, mais putain. Ah, voilà. Ah, il faut pas que je... Faut que je reste... Faut que je reste dans l'eau. Je récupère juste un peu de santé. Voilà, c'est bon. Allez, balance ta grenade. Allez. En bouchant pas dessus. Voilà. Mais là, je pense que là, je vais être bloqué. Il va me dire, oui, oui, il faut acheter le DSI. Sinon, tu peux pas le faire. These are Chinese-made rigs. If there's any catastrophic methane explosions in the near future, you can't tell me that's merely an accident. Il y a marqué quoi? Voyager jusqu'à complexe Deep Plover. Et voilà, il me faut le Truth Quest, il me faut le DLC, je ne l'ai pas. Essayez de survivre à un nouveau prédateur, le Léviathan Atomique. Augmentez votre niveau jusqu'au niveau de requin à 40. Et ouais, mais je ne l'ai pas. Et voilà. Et honnêtement, je pense pas le prendre. Ça m'étonnerait, j'ai pas envie de claquer 13 euros pour ça. Non. Bon, et ben, je vais arrêter là. Je vais éteindre la Xbox et puis on va continuer Resident Evil Révélation 2. En essayant de finir rapidement l'épisode avec Barry. Et puis. Après, je sais pas si nous aussi continuons Resident Evil 2 ce soir. On verra. On fera un raid, sinon. Et sinon, ben voilà. Allez, à tout de suite.